GG les amis, c'est Max Smith en direct des États-Unis de l'Amérique. Eh oui, alors je suis allé voir ce qui se passe dans les salles de Cinoche et j'ai repéré des super gros films d'action, gros films d'animation, enfin que du gros film en tout et pour tout les amis. Alors, qu'est-ce que vous voulez voir les Frenchies dans le Cinoche? Plus de l'action, plus de l'animation, de la baston ou de l'émotion? Ah, il y a de tout dans ce film. C'est le nouveau film de Bruce Willis. Et oui, il est de retour dans un film de bagarre. Ça, c'est pas pour les petites filles, c'est pour les mecs, les gros durs. Hein, puisque ça va être de l'action non-stop, les amis. Bruce Willis, il a eu un problème. On a embêté sa famille. Monumentale erreur. Il n'aurait pas dû. Donc Bruce Willis, pour se venger, il a récupéré un pistolet. Et alors là, ça va dégommer, tirer dans tous les sens. Cachez-vous sous les sièges pendant le cinéma. Hein. Attention, les pop-corns, ils vont valdinguer. Ça va être freestyle dans la zone. Voilà. Donc ça, c'est pour le gros film d'action qui sort ce mercredi. Et on va passer tout de suite au deuxième film. Alors, les amis, vous aimez les extraterrestres? Vous aimez aller voir ce qui se passe sur les autres planètes? Eh ben non, c'est les extraterrestres qui vont venir voir ce qui se passe. Donc ce film, ça s'appelle Léo et les extraterrestres. Un super film d'animation pour toute la famille. Léo, il a quoi? Il a 12 ans. C'est un petit garçon qui aime bien l'aventure, mais il est tout seul pour jouer. Et un coup jour, il voit trois extraterrestres débarquer dans son salon, enfin dans son jardin, hein, et puis après dans son salon. Et puis alors là, les extraterrestres, bah, bien sûr, ils font plein de bêtises puisqu'ils connaissent pas ce qu'on fait. Ils zappent la télévision, ils veulent acheter des trucs... Gros film d'aventure, c'est comme E.T. mais version plus petit avec des dessins animés. Donc allez voir ça en famille, les amis. N'oubliez pas de prendre du coca et de l'orangina, hein, ça fait toujours plaisir et puis ça rapporte des sous-sous à la salle de Cinoche. Et puis voilà les amis, c'était Marc Smith en direct de UGC Pathé-Gaumont, Ciné Mistral, Le Bretagne. Comme ça je les aurais tous fait. Et voici...